Elle est, comme nous l'a dit le Concile Vatican II, son amour maternel la rend attentive aux frères de son fils pour servir dans sa dépendance et avec lui par la grâce du Dieu Tout-Puissant au mystère de la rédemption. Marie, attentive à chacun d'entre nous, comme une mère, attentive et priante. Elle nous regarde avec le regard de Dieu. Dans son encyclique sur la foi, le pape François écrivait que la foi non seulement regarde vers Jésus, mais regarde avec les yeux de Jésus, du point de vue de Jésus. Elle est une participation à la façon de voir de Jésus. Marie ne vit plus dans la foi, Marie est dans la pleine vision, mais combien plus se vérifie pour elle se voir avec les yeux de Jésus. Elle nous regarde avec ce regard infiniment bon et bienveillant. Elle connaît nos besoins, elle y est attentive, comme elle l'a montré aux noces de Cana. Elle connaît nos peurs, nos réflexes de défense, mais aussi notre soif de paix, d'amour authentique, de pardon mutuel, nos espoirs, nos joies. La présence de Marie ici fait de Sainte-Garde un lieu de paix. Beaucoup sont frappés quand ils arrivent ici. Bien sûr, il y a la beauté du lieu, il y a la beauté des bâtiments et les générations qui nous ont précédés, qui nous ont légué ce bâtiment, avec ce souci de la beauté qui élève, qui apaise. Il y a le coucher de soleil magnifique, il y a la vue sur la plaine de Carpentras et au loin la Lozère, sur le village de Saint-Didier. Mais surtout, il y a la présence priante de Marie. C'est cette présence qui fait de Sainte-Garde un lieu de paix. Et nous allons vivre pendant 3 jours un temps de silence prolongé. Le silence nous permet de trouver la présence de Dieu. Il nous permet d'étancher notre soif de Dieu. Le silence est nécessaire, nous y aspirons. Et le silence peut aussi être rude parfois. Il nous renvoie à nous-mêmes, à notre monde intérieur qui est parfois troublé, agité, et le silence peut faire remonter en nous des choses qui nous troublent. Mais la présence priante de Marie nous apaise. Avec elle, il y a, dans la rudesse du désert, il y a une douceur, il y a une touche d'humanité. Et depuis 3 siècles, ce lieu est un lieu de ressourcement. Je vous le disais, c'est la foi d'un homme, d'un curé de Saint-Didier, un jeune prêtre qui arrivait dans sa paroisse, plein de zèle. C'est la foi de cet homme qui a fait jaillir de ce lieu une source de vie divine. Un peu plus loin, à 3 ou 4 kilomètres d'ici, il y a aussi un autre lieu qui est source de vie divine, qui est Notre-Dame de Vie. Un lieu dont les chrétiens avaient perçu la force d'attraction, puisqu'il était lieu de pèlerinage depuis des siècles, mais où un homme de Dieu aussi a fait jaillir un courant puissant de vie divine. C'est le bienheureux Marie-Eugène, le fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, celui à cause de qui nous sommes ici d'une certaine manière. Et quand il a découvert ce lieu de Notre-Dame de Vie, plus tard il a dit: nous avons découvert ce lieu avec étonnement, nous y avons vu une source divine et nous y avons cru. C'est la foi
qui permet de donner accès aux réalités invisibles. Elles sont bien là, elles sont présentes, mais les sourciers sont ceux qui, par leur foi, font jaillir les sources de vie divine. Et un sourcier, Monsieur Martin, a fait jaillir ici une source de vie divine. Alors nous allons nous mettre dans le sillage de ces générations qui sont venues boire à la source dans la foi. Nous sommes portés aussi par leur foi. C'est à la mesure de notre foi en ces réalités invisibles que nous pourrons étancher notre soif. Entrons dans la démarche de foi de ceux qui nous ont précédés en ce lieu et qui en ont fait un lieu de source. Et nous vivons cette retraite entre l'Ascension et la Pentecôte. Le moment de l'Ascension est le moment de deux promesses. La promesse de l'Esprit qui est faite par Jésus, nous l'avons entendu. Il promet l'Esprit aux apôtres, cet Esprit qui doit les envoyer en mission. Mais ils ne doivent pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit. Et puis, la promesse du retour de Jésus, ou de la venue de Jésus, dans la gloire, faite par les anges. Et la situation des apôtres à l'Ascension est un peu paradoxale. Les anges leur disent de ne plus regarder vers le ciel et donc de s'engager dans le monde présent. Et Jésus leur dit d'attendre l'Esprit. Et attendre l'Esprit, c'est bien regarder un peu vers le ciel, prier pour que l'Esprit soit donné. Mais le paradoxe n'est qu'apparent, puisque ce n'est pas pour chercher une consolation que nous regardons le ciel, mais c'est pour y attendre celui qui va nous envoyer, celui qui est toujours en mouvement, celui qui nous met en mouvement parce qu'il est mouvement d'amour. Dieu n'est pas statique. Nous croyons en un Dieu Trinité qui est circulation d'amour permanente, mouvement d'amour permanent, et qui nous met en mouvement. Nous regardons vers le ciel pour nous mettre à la disposition de l'Esprit. Et en nous retirant au Cénacle avec Marie, nous ne cherchons pas à fuir le monde, le Père Bernard nous le rappelait dans l'homélie, nous refaisons nos forces spirituelles pour nous engager dans le monde, pour y rendre le Christ présent. Et les intentions de prière que nous portons gardent le monde présent à notre esprit. On nous a peut-être confié des intentions, nous en portons nous-mêmes. Vivons avec liberté cette dimension de l'intercession qui fait partie d'une retraite. Ah, tu pars quelques jours en retraite, ben écoute, je te confie cette intention. Nous la prenons. Nous la déposons devant Dieu et nous vivons librement notre retraite en cherchant à nous approcher de Jésus, à chercher sa présence. C'est de cette manière que nous sommes intercesseurs. Vous connaissez sans doute la phrase du Cantique des Cantiques qui a beaucoup marqué Saint Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin de sa vie. Une carmélite reçoit, j'allais dire, des tombereaux d'intentions de prière chaque jour. Elle en portait et elle se disait, mais jamais je ne peux penser à toutes ces intentions. Et puis elle très souvent, la lumière lui vient de l'Écriture, mais l'Écriture lue avec l'Esprit qui fait que les mots de l'Écriture viennent rencontrer ce que lui dit l'Esprit au cœur et mettre des mots sur la lumière de l'Esprit, attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. Elle est attentive à ce moi, nous, attirez-moi.
attire-moi, Jésus, nous courons. Et elle dit, ben, il me suffit d'être attiré par Jésus. Et alors tous ceux qui sont liés à moi vont courir avec moi à l'odeur des parfums du Christ. Je les emmène dans ma prière, dans mon mouvement vers le Christ. C'est comme cela que nous allons intercéder, en cherchant la présence de Jésus, en entraînant avec nous tous ceux que nous portons dans notre prière. Et nous allons vivre cette retraite d'abord dans la gratuité, sans tension. Un temps de retraite, c'est un don qui nous est fait, le don du temps, justement. Ce temps qui nous manque si souvent, après lequel nous courons. Nous avons pris trois jours de gratuité. Et nous pouvons penser que c'est du temps que Dieu prend avec nous. Quand on sème, on a besoin de moments de gratuité. On a besoin de donner un temps gratuit à l'autre, un temps avec une qualité de présence. Eh bien, Dieu prend ce temps avec nous et il attend simplement que nous prenions ce temps avec lui. Bien vivre une retraite, ce n'est pas se fixer des objectifs et arriver avec beaucoup de résolution. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de se laisser faire. L'un des textes laissés par Élisabeth de la Trinité avant sa mort, elle a laissé quelques textes de retraite et elle a laissé un texte pour sa mère prieure qui portait le titre « Laisse-toi aimer ». C'est simplement la consigne que nous avons pour ce temps de retraite. Laisse-toi aimer. Laisse-toi regarder paisiblement par Marie. Vis paisiblement sous le regard bienveillant de Dieu. Donne-lui la joie de te regarder vivre. Et nous allons nous porter mutuellement dans la prière. Nous allons nous offrir le cadeau d'un silence de qualité. Vivre une retraite en silence, se côtoyer dans le silence, ce n'est pas vivre dans la froideur, dans l'ignorance mutuelle. On peut tout à fait être attentifs les uns aux autres, tout en gardant le silence, en respectant le silence de l'autre, en respectant ce temps où il se laisse aimer par Dieu dans le silence. Et il y a une vraie communion qui naît dans une retraite entre des retraitants silencieux. Il y a une vraie charité fraternelle. Nous avons aussi porté les enfants dans la prière. Eux aussi vont vivre un temps de retraite, un peu différent du nôtre, sans doute moins marqué par le silence, mais marqué aussi par la rencontre avec Jésus. Et ils ont besoin de notre prière, et ils prennent aussi notre retraite dans leur prière. Confier nos enfants à d'autres, c'est toujours un acte de détachement, un acte de confiance. Nous les confions d'abord à Marie, Notre-Dame de Sainte-Garde, à l'Esprit-Saint. Ils ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés. Et d'autres peuvent leur manifester l'amour de Dieu. Et puis nous allons vivre cette retraite avec la grâce propre du Carmel et de Notre-Dame de Vie, qui est une grâce d'oraison silencieuse, de regard simple dans la foi,
L'oraison est une prière simplifiée dans ses formes et qui est centrée sur la foi en la présence de ce Dieu qui nous aime. C'est la définition célèbre que donne sainte Thérèse d'Avila de l'oraison qu'on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique. Un échange d'amitié avec Dieu dont on se sait aimé. Nous pouvons demander cette grâce de la prière en ce lieu parce qu'il y a une grâce de la prière ici et nous pouvons faire cette expérience pour ensuite, de retour dans nos lieux de vie, de travail, vivre au quotidien la soif de Dieu, la soif de prier, la fidélité à la prière. Sainte Thérèse d'Avila a fait l'expérience que la source d'eau vive promise à la Samaritaine jaillissait de l'intérieur d'elle-même. Elle a une magnifique image, elle donne l'image d'un bassin rempli d'eau, soit on le remplit avec un petit canal qui l'alimente de l'extérieur, soit la source jaillit du centre du bassin. Et c'est ça la vie de la grâce en nous. La source est en nous, la source jaillit en nous, nous pouvons y boire dans la foi. Alors c'est la prière que nous ferons les uns pour les autres, d'être assoiffés et de vivre un moment de grâce, un moment de foi, un moment de gratuité, un moment paisible sous le regard de Dieu, où nous offrons 3 jours